saluer. Je vous dis bonjour. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Dr Scope Ntsumbu. Je suis coordonnateur de la cellule Tous pour Tshisekedi, Tshisekedi for President à West Midland. Alors nous sommes là aujourd'hui pour lancer un appel à tous les Congolais vivant à West Midland. Lorsque nous parlons de West Midland, nous voyons Birmingham, Coventry, Wolverhampton, Warsaw, Stoke-on-Trent, Dudley, Stourbridge et tous les autres boroughs autour de Birmingham. C'est vrai que nous aspirons tous au changement. La preuve, c'est que de temps en temps, nous avons l'habitude d'en parler là où nous avons l'habitude de nous retrouver. Nous parlons du changement, nous aspirons au changement. Mais ce que nous voulons cette fois-ci, c'est dépasser ces stades de la rhétorique, c'est-à-dire les stades des discours vains et pompeux. Nous voulons maintenant passer à l'action. Le message est celui-ci. D'abord, il faut dire que cette structure, Tous pour Tshisekedi, Tshisekedi for President, a été initiée à Londres. Alors, son initiateur nous a délégué pour implanter la structure ici. Toujours dans le cadre de soutien pour la propagande d'Etienne Tshisekedi Wamulumba dans le cadre de présidentielle de novembre 2011. Alors, le message est celui-ci. Nous voulons que tous les Congolais de West Midland de se retrouver ce samedi 27 août au restaurant VIP chez Laurent. Ce restaurant est situé sur l'avenue Lozell Road, numéro 52A, B19-2TJ. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Ça sera sous forme de fundraising event, parce que nous avons besoin d'argent pour la propagande de Tshisekedi, comme vous le savez. Alors, nous demandons à tous les Congolais de venir ce jour-là d'apporter tout ce qu'ils peuvent apporter. C'est-à-dire, nous demandons à tous, aux gens à 1 pound, aux gens à 2 pound, aux gens à 10 pound, aux gens à 100 livres, tu amènes, même 1000, tu amènes, parce qu'ils ont besoin de Colette Mukolwana. Nous voulons tous soutenir l'action de Tshisekedi Tshisekedi Wamulumba. Il y a une action au Senga, Mutuna Mutu, à côté de moi, le bon qu'on a poche, abîmissa quelque chose. Parce que nous en avons marre de tout ce qui se passe au Congo. D'ailleurs, dernièrement, vous avez suivi, le journal américain de la santé publique a publié ses statistiques en disant qu'il y avait 48 femmes congolaises à l'est du Congo étaient violées chaque heure. Et plus ou moins 1150 par jour. Nous disons que c'est trop, c'est massacre. Alors tous ces crimes qui sont perpétrés à l'est du Congo sont jusque-là impunis. Nous voulons que ça prenne fin. C'est pourquoi nous avons besoin du soutien de tout le monde. En dehors de ça, je vais vous donner un certain nombre de chiffres. Tenez, selon les statistiques, il y a 51 millions de la population congolaise qui n'ont pas accès à l'eau potable, alors que le Congo détient plus de la moitié des ressources d'eau d'Afrique. Cette information vient d'une étude du programme des Nations Unies pour l'environnement. À part ça, nous avons 44 millions de Congolais sur une population de 55 millions qui souffrent de la malnutrition. La question qu'on se pose est celle-ci. Comment les habitants d'un pays vaste, irrigué et fertile comme la RDC peuvent-ils mourir de faim? Ceci pour vous dire combien ce gouvernement est incompétent, combien Kabila est incompétent, combien il est corrompu avec tous ses acolytes. Ceci est une étude publiée par un journal très célèbre en Angleterre qu'on appelle The Lancet. C'était lors de journées d'études des facultés agronomiques des Jambloux en Belgique. Autre chiffre, pour vous faire voir combien le gouvernement qui est en place est un gouvernement de corrompus. J'ai souvent l'habitude d'appeler ces gens, ce sont des politiciens, des voyous. Ce sont des politiciens voyous. Je les appelle des bandits des grands chemins parce qu'ils sont corrompus jusqu'à la moelle épinière. Imaginez, les boulevards du 30 juin, ils ont fait sur une longueur de 5 km et demi et une largeur de 28 mètres.
Pour faire ça, ils ont dépensé 76 millions de dollars. Allez-y comprendre quelque chose. Parce que les standards internationaux nous disent que 1 km de bitume bien fait devrait coûter en principe 1 million. Il faut demander à ce gouvernement où est parti le reste. C'est pourquoi nous vous disons que nous devons nous débarrasser de ce gouvernement parce que c'est un gouvernement de corrompu. Autre chose, si nous considérons le boulevard du cinquantenaire, il faut dire que pour ce boulevard, la première partie de ce boulevard a été faite par Fait Mounzé Laurent Désiré Kabila. La première partie avait coûté 800 000 dollars américains. Et la deuxième partie, avec ce gouvernement des corrompus, a coûté 29 millions de dollars. Allez-y comprendre quelque chose. Il faudra leur demander une fois de plus où est parti le reste d'argent. Si nous considérons l'hôpital du cinquantenaire, rien que pour ses portes, ses fenêtres et son parking, le coût total est estimé à 96 millions de dollars. Donc 96 millions de dollars. Nous disons que c'est trop. Pendant que les gens sont en train de souffrir, pendant que le peuple congolais est clochardisé, mais il y a un groupe de gens qui s'amusent avec l'argent du Congo. Nous devons mettre fin à cela. C'est pourquoi nous vous appelons tous d'être là pour soutenir l'action de Tshisekedi Wamulumba. En outre, je voulais ajouter, ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas une affaire d'une tribu, ou une affaire d'une ethnie, ou encore moins d'une province, mais c'est notre problème à tous, Congolais. C'est pourquoi nous devons être unis, nous devons aimer notre pays, nous devons tous nous ranger derrière Tshisekedi pour remettre de l'ordre dans ces pays, car nous devons instaurer l'état de droit dans ces pays. La preuve, c'est que la personne qui vous parle, je ne suis ni du Kasaï, ni encore moins de l'UDPS. Ceci étant dit, j'aimerais également dire que West Midland est resté trop en arrière. Namakambo Belé, West Midland a eu qu'on a raté. Sauf que Totali, Tomonike, il y a des petites villes, notre ville à l'Est, ils essaient de s'organiser, dans Manchester, Totali en Europe, la ville est à Cologne, il y a des petites villes qui s'organisent. Mais la West Midland, c'est pourquoi l'opportunité nous est offerte. Pour Natoya Ebele, tout l'accès à la face du monde, effectivement, de quoi nous sommes capables. C'est pourquoi nous vous demandons d'être nombreux le 27 août à partir de 13h30 chez Laurent, au restaurant VIP. Alors pour terminer, je voudrais lancer un appel pathétique à toutes les filles et à tous les fils d'Iva Congo. Une seule chose. Nous devons punir ce gouvernement qui a massacré les adeptes de Bundudia Congo. Et encore, il faut dire, il faut rappeler que les gens qui ont commis ces massacres seront poursuivis tôt ou tard. J'ai la ferme conviction qu'avec Tshisekedi, il est le seul qui soit capable de battre ces jeunes hommes qui ont le pouvoir aux élections. Yangwana, Nasengi Nabino Nyonso, tous à la derrière hier pour les soutenir. Donc, Congolais à West Midland, venez nombreux le 27 août à partir de 13h30 au restaurant VIP chez Laurent. Je vous ai donné l'adresse, n'oubliez pas, sensibilisez les autres parce qu'après ça, il y aura d'autres stratégies que nous avons mises en place qui vous seront communiquées lorsque nous allons voir cette rencontre. Donc, les médias seront là. Pour terminer ce message, je voudrais également annoncer à tous les Congolais de West Midland que, toujours par rapport à la structure Oyotobengi, tous vous Tshisekedi, Tshisekedi for President, nous avons initié un certain nombre de stratégies, toujours dans le cadre de Yakorez Mongo pour la propagande de Tshisekedi. À partir du lobby où je dis, vous allez commencer à voir dans la shop Union sur la Congolais, là où les Congolais ont l'habitude de se retrouver. Togocha va boîte Moroboye avec une étiquette qui est Tshisekedi avec un message dessus disant nous avons besoin de votre soutien. Soit vous avez un shopping non négatif ou bien vous avez un souki, le pain qui reste au Gobo on a boîte Wana, tout ça c'est dans le cadre de la collecte de Mbongo pour l'élection de Tshisekedi. Je suis convaincu
Et je vous le dis franchement, que l'humiliation que nous avons subie, d'avoir ce jeune homme à la tête du pays et les Kito, nous devons mettre fin à cela. C'est pourquoi nous vous invitons à soutenir l'action de Tshisekedi. Donc, pour terminer, une fois de plus, je vous invite tous, les Congolais de West Midland, d'être là très nombreux le 27 août chez Laurent au restaurant VIP. J'ai dit et je vous remercie.